Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock, bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et l'événement média du week-end a lieu à Montpellier, mais de quoi s'agit-il donc ? De ça ! Normalement, vous devez trouver en deux secondes. Hein. Miss France. Mais oui, l'élection Miss France 2017. Alors, à chacun de juger de l'opportunité d'un tel événement. En revanche, moi, j'ai une certitude. Miss France est une entreprise rentable. Un article paru dans les Échos ce matin annonce d'ailleurs quelques chiffres qui prouvent que tout va bien au royaume de la beauté à la française. L'entreprise familiale créée en 1954 par Louis Poirot, dit de Fontenay, a été rachetée en 2002 par Endemol pour un montant entre 6 et 10 millions d'euros. Donc, la cérémonie a été modernisée, revisitée avec les codes télé d'aujourd'hui. Ça marche, les audiences sont toujours très bonnes. Demain, on devrait compter près de 8 millions de téléspectateurs. Et résultat, les recettes publicitaires, elles sont records, 4 600 000 euros. Vous ajoutez à ça 600 000 euros gagnés grâce aux SMS qui sont envoyés par le public pour voter pour leur miss préférée. Et du côté de la production, la soirée est facturée à TF1, 3 millions d'euros selon nos confrères. Et pour la ville qui accueille la cérémonie, c'est intéressant aussi ? Oui, au point que les municipalités se disputent l'organisation de l'événement, un peu comme pour le Tour de France. Hein. Opération rentable, la salle est pleine de 8 000 places. Les places ont été vendues entre 30 et 70 euros. C'est aussi 800 nuitées côté organisation et 4 000 pour les visiteurs. Et on ne parle pas des retombées dans les restaurants, chez le coiffeur et autres commerçants. Et la Miss, qu'est-ce qu'elle gagne, elle ? Elle repart avec 100 000 euros, plus 5 000 euros de salaire pendant un an, plus des cadeaux dont une voiture, plus un appartement durant son mandat. Rendez-vous donc demain soir pour savoir qui sera l'heureuse élue. Et à part Miss France, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder à la télé ce week-end ? Ne loupez pas Passe-Muraille. Ce soir, excellent téléfilm programmé à 20h55 sur Arte, l'adaptation de la nouvelle de Marcel Aimé avec notamment Denis Podalydès. Merci et bon week-end, Eva Rock.